En mission de travail dans la région du Diffa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Alaouri Aminata Zourkelini, séjourne depuis hier à Diffa où elle a été accueillie par le gouverneur de la région, à ses côtés les autorités administratives, les cadres régionaux de son département ministériel et plusieurs associations féminines de la commune urbaine de Diffa. Hier après-midi, la ministre Alaouri Aminata Zourkelini, en compagnie du gouverneur de la région et les membres de sa mission, ont rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton de la Komandougou, Kazelma Mamadou Abachari, avant de se transporter à la base sous-bureau HCR où elle a rencontré les représentants du système des Nations Unies basé à Diffa dans le cadre des actions de protection et humanitaire en faveur des réfugiés, populations déplacées et populations hôtes. Au menu de la rencontre, des échanges avec les représentants des partenaires intervenant dans la région, dans le domaine de l'urgence, où plusieurs questions allant dans le cadre de la protection de la mère et de l'enfant et des appuis multiples que mènent les partenaires humanitaires en direction des communautés, telles que les violences basées sur les genres, la protection et les mariages précoces. Toujours dans l'après-midi d'hier, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a visité une unité de production de farine infantile locale, fortifiée, très riche en vitamines, un complément très nourrissant pour les enfants de 0 à 36 mois. Ce matin, Madame la ministre a visité aussi un centre de promotion et de prévention en protection, composé de 4 services, la communication pour un changement de comportement, les services de protection, le centre Amis pour enfants, avant de s'entretenir avec les agents relevant de son département ministériel, où plusieurs questions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail ont été évoquées.